Salut les gens, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. Destiny, donc il me fait passer le temps en attendant Call of Duty. Donc je vais vous donner quelques petites astuces. Donc, pour monter votre level, ça ne sert à rien de monter vos armes au maximum et tout. De toute façon, vous allez les débloquer en faisant un maximum de contrats. Les contrats, il faut vraiment les enchaîner pour faire monter votre clan. Votre clan, en fait, vous le retrouvez tout simplement dans la salle centrale. C'est le premier clan, en fait, quand vous démarrez le jeu. Après, vous pouvez donc vous associer à d'autres clans qui vous permettront de montrer des fatwas. Donc là, voilà, au niveau de clan, ici. Donc, je suis rang 4. Et en estime de l'avant-garde. Voilà, je suis arcaniste. À la base, j'ai monté qu'un seul perso, il y en a qui montent plusieurs persos pour pouvoir enchaîner les pièces et tout ça. Donc, je vais vous donner une petite technique pour monter. Donc, si vous êtes coincé au niveau des fringues, parce que les fringues, en fait, les vêtements, les armures, c'est ce qui vous fait monter, en fait, de level. Voilà, donc il faut vraiment être au maximum d'armure légendaire pour pouvoir monter. Là, vous voyez, il me manque donc juste une amélioration. Je serai à 29,5. Et pour passer de 29,5 à 30, il me faudra impérativement des pièces raides. Voilà. Donc, si vous êtes bloqué, il vous manque des éclats d'ascension pour augmenter ces armures, pardon. Il vous faudra simplement faire un maximum de online, domination et tout ça, donc pour divers clans. Ensuite, vous vous rendez chez votre chef d'avant-garde, en fait. Voilà. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est donc d'acheter ces vêtements, même si vous les avez déjà, vous les achetez et vous les démantelez. Parce qu'en les démantelant, ça vous donnera automatiquement des éclats d'ascension. Donc, moi, j'avais joué pour plusieurs clans. Donc, l'avant-garde, puis d'autres. Et ça m'a permis, donc, de récupérer, je crois, si je dis pas de bêtises, trois vêtements. Donc, d'acheter trois vêtements et de les revendre et pour avoir une dizaine d'éclats d'ascension. Pour pouvoir monter. Nous tenons à vos côtés. Ensuite, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de monter donc votre bannière de fer. Votre bannière de fer, on ne sait pas à la longue ce que ça va donner, mais c'est essentiellement donc du multi. Ça va vous permettre donc de faire la petite technique que je vous ai dit. Par contre, il faut la monter rang 3. Et en la montant rang 3, vous êtes fort. Là, vous pourrez acheter des fringues pour moins cher, enfin une armure pour moins cher, c'est-à-dire 10 écus d'épreuve, mais il faut être rang 3. Là, je ne suis pas encore, j'ai commencé ça hier, je crois. Donc, il faut que je joue encore un petit peu. Merci. Donc, voici simplement des petites techniques pour pouvoir augmenter sur Destiny. Donc, pour moi, là, je ne me suis pas mis à fond, c'est vraiment un passe-temps. En attendant Call of Duty, je suis pas fan. Un peu trop futuriste, donc on verra ce que donne Call of à venir. Voilà, donc en espérant en avoir aidé plus d'un, je vous ferai quelques petites vidéos pour vous donner des petites astuces pour farmer tranquillement, pour réussir quelques défis rapidement. À savoir que les contrats donc qui sont donnés le matin, donc ils sont mis à jour à partir de 11h. Pour ceux qui peuvent être là en journée, vous restez connectés. Vous venez voir les contrats à 11h, vous les prenez, vous en faites un maximum. Vous déconnectez, donc en passant par la console, voilà, paramètres, se déconnecter de Destiny, vous vous reconnectez. Et en vous reconnectant, vous pourrez refaire les contrats. Voilà, c'est une petite technique qui m'a permis de monter rapidement clan d'avant-garde. Voilà, donc en espérant en avoir aidé plus d'un, et je vous ferai des petites vidéos comme ça. J'essaierai de vous en passer une ou deux par semaine pour des petites astuces. Allez, ciao tout le monde!